Yo, ici Truffy et bienvenue pour la suite, notre Let's Play. Emily wants to play. 3h du matin, ma bébé, c'est tout de suite en ma compagnie pour plus de fagoterie. Parce qu'avec Truffy, la bigoterie de la fagoterie n'est jamais finie. Et ce mec, ou alors peut-être que c'est jamais la même personne. Sur un autre livreur de pizza et la compagnie qui envoie les livreurs se dit bordel. Soit c'est un gros sac d'américain, ce qui est forcément logique, soit on est en train de se faire enculer tous nos livreurs dans cette maison assez étrange. Ok, ne pas courir de Chester. C'est qui Chester? Quoi, t'as un problème? Hey, lave tes dents, mec. Putain, il a vraiment une tête à vouloir t'enfiler un chorizo. Qui est Chester? C'est le majordome que j'ai vu là. Chester. Donc, ça veut dire, cours? Faut que je cours? Quand je le vois? Alors là, j'ai rien bité. Non. Alors là, c'est la surprise, c'est la petite tension parce que tu sais pas ce qui va se passer. Hey, Cheetos! Bordel, il est où cet enculé? Il va apparaître d'un coup et je vais faire genre. Oh, tintin de ses gros culs, mec! Est-ce que tu t'appelles Pépite? Il a fait un 360 exorciste avec sa tête! T'es gros. C'est... Et sérieux, il a un cul de Kardashian, le mec. C'est... Quoi? Hey! C'est quoi ce rire de vieux... De vieux pervers? OMG. Oh, lui, il fait pas peur, il fait trop rigoler, putain. Et puis, il court comme une petite pute. Donc, attends, ça veut dire que je dois... Je dois courir. Il va me pourser après, lui refermer la porte au nez. Ça va être ridicule, non? Je sens que ça va être assez ridicule, ouais. Même dans la chambre, tu me suis, chorizo. Tu vas pas salir mes draps, hein. T'es tellement gay, mec. Ouais. Par contre, l'autre, là, j'ai envie de l'appeler Pépé. Pépé. C'est Pépé. Avec son rire débile. Oh, oh, what? That ass. Il est vraiment gay, lui. Mais j'ai l'impression que je suis pas mal dans des pièces fermées. Hein. Oh, gauche, non! Dégage, Pépé! Je l'ai enfermé ou quoi? On va dire que j'ai réussi. What the fuck? Parce que je sais même pas où il apparaît, ce con. Je l'ai même pas vu, j'ai juste fait genre, nope, Robespierre, protège-moi. Regarde, il est où? Ah si! Eh, il est dans le fond! Ah! Ah, il faut pas que je le regarde? Quoi, je comprends? Ah, je bute rien. Faut pas que je le regarde. C'est ça? Ah, ok! J'ai bougé un millimètre! Bonjour, c'est encore moi, le livreur de pizza. Supplément, va te faire foutre. Emily, toi et tes petits amis, vous allez prendre ma 4 fromages en facial. C'est moi qui vous le dis. Donc là, on va essayer de comprendre concrètement. Je ne dois pas regarder Pépé, parce qu'il est super gay. Je dois juste changer, genre, je regarde pas. C'est ça, hein. Ah, oh, Emily, va te faire foutre toi aussi, sérieusement. Bien flippant. Mais cette porte, elle veut jamais s'ouvrir, c'est assez particulier. J'aime pas du tout cet endroit. C'est un endroit putassier, c'est un nom négatif. Et où? Au moins, je veux le voir. Pour être habitué à son gros cul. Et je lève la main. Sur mon honneur, j'ai pas mis ma bite dans ta pizza. Parce que là, j'ai lui et l'autre. Mais Kiki n'est pas... Ça fait longtemps qu'on a pas vu Kiki Kikette. Hein, Kiki Kikette? Kikette! Oh, Poti, pauvre Poti. Toi qui étais... Qui t'a cassé, Poti? C'est Bobby ou pas, finalement? Oh, non, il n'y a pas d'épée, je ne sais plus. Il est où? Ah, non! Ah, ok! Ok! Je l'ai pas regardé, mais il s'en bat les couilles, lui. Pépé. Ce petit nain dégoûtant, là.
Putain. On dira un petit politicien, c'est un mini Sarkozy, le mec. C'est un mini président. Et là, 2% d'impôts. Ah, ça commence. Non. Ah, merde. Mauvais endroit. Et je me demande un truc. Regarde, on dirait un vieux troll. Bizarrement, la dernière fois, la première fois que je l'ai vu, je crois, ou peut-être la deuxième fois, si tu te souviens, j'ai couru dans le sens inverse, et j'ai éteint, la lumière s'est éteinte. Mais genre, comme par chance, par coïncidence clitoridienne, tu vois. Et d'un coup, il s'est arrêté. Oh, j'ai gerbé. Ah, c'est... Ok, non, plus encore pire dans le noir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois courir et fermer la porte. Ça veut dire que le placard, c'est quand même le meilleur putain d'endroit. Je sais pas si t'es d'accord, mais ça me donne envie d'y retourner personnellement. Mon placard, mon safe space. Avec Vin Diesel, Eric Cartman et Randy Marsh. Et Steven Seagal. Et Truffington. Voilà. Parce que s'il apparaît dans le placard, moi je fais va te faire foutre et je fais genre, hop. S'il apparaît là, je fais genre. Ça devrait marcher dans le placard, on va l'attendre l'autre. Il est pas avec moi, pas vrai? Il a ouvert la porte! Il a vraiment ouvert la porte! C'est vraiment une petite saloperie, ce truc-là! What the... Gab! Ah, parce que là, je me suis carrément fait baiser, hein. Ah, va te faire foutre! Avec vos rires de pédophile dégueulasse. Non, parce que c'est vrai. Nope. Ah, il est là! À chaque fois, il est là! Derrière ce carton, derrière Bobby! Hi! Mets dans les trophées! Ah, il est pète cou, celui-là! Il la veut, ma pizza, hein. Ah, messieurs, dames, j'arrive à vous livrer votre pizza. Et je vais rester proche de la porte. De sorte à ne me pas faire. Pas me faire. Nope. Ah, ok! Lui, il s'en fout d'être. À quoi? J'ai été téléporté dans la cuisine! Pourquoi? Je comprends pas. J'essaye de rester près des portes, en fait. J'essaye de comprendre vraiment comment ça fonctionne, cette merde. Parce que là, le placard, visiblement, c'était pas très optimal. Mais si c'est pas trop mal, en plus, les lumières s'éteignent plus vraiment. J'ai l'impression d'être un peu plus en sécurité, tu vois. Il est toujours pas apparu, le... Hop. Nope. Nope. Ok, Pépé, je crois avoir compris. Pépé, c'est fait. Je l'ai pépéroni, je pense. Ça a l'air d'avoir fonctionné. C'est juste me barrer dans une autre pièce, je crois. Ça a l'air de fonctionner, hein. God. Je suis entre deux portes, c'est pas un bon endroit ici, pas vrai? Ah, ah non! C'est la porte, elle m'a... J'ai bougé d'un centimètre parce que la porte... Elle s'est enfermée, j'étais genre... Non! Oh! Putain. Il pourrait au moins juste me mettre un à la fois. Non? C'est trop de leur demander. Ça m'arrangerait vraiment bien. Et j'ai pas... En fait, t'as pas trop envie de t'aventurer dans une pièce avec l'autre connard. Parce que dès que tu le vois, il faut que tu te barres très vite. Au final, la pizza, il en a plus rien à foutre, le mec. Pas bouger. Peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qui se ferme. Pas bouger. Voilà. Oh, God. J'aime pas les... Oh, il est où? Il est dans cette pièce, pas vrai. Nope. Non. Il a un rire vraiment dégueulasse en plus. C'est le pire des pervers, lui.
c'est encore fermé, chiotte. Mais je crois qu'il apparaît soit derrière le carton, soit il apparaît quelque part là-bas. J'ai l'impression. Donc je vais encore passer une heure, comme ça. Il m'a l'air assez fun. Oh là là. Entre gros cul et l'anorexique, là, je suis servi, hein. Voilà, je touche pas. Pas touché. Oh god, je sais pas si... Ah merde, t'étais là! Petit enfoiré! Il se confond avec les meubles aussi, avec sa coiffure de merde! On dirait du plancher illustré. En fait, c'est la maison de... Hop. Je suis mort. C'est quoi ce cri? Putain, on dirait... C'est le père de Caillou, quoi. Sérieusement. Ah, non. Pourquoi ça a fermé la lumière? Eh, non. Non. Ah, non, mais... C'est vraiment une petite pute, franchement. C'est pas logique qu'il apparaisse aussi rapidement deux fois dessus. Là, c'était dans le noir en face de moi, je voyais que dalle. Voilà, moi, j'ai passé le stade où j'ai plus peur, tu vois, c'est comme dans tous les FNAF-like, en fait. À un moment, t'as plus peur, t'es juste... T'as envie de gagner le jeu, tu vois, tu te dis « Oh, fuck that night !» T'es en mode Lionel Richie, t'es en mode All Night Long. Tu fais genre « Rien, je m'en fous, je vais y arriver, t'inquiète. » 360 pp, t'inquiète. Là, je sais pas si c'est un très bon endroit. En fait, quand c'est... On dirait une bite en ombre devant moi. Hop. En fait, j'ai compris que quand tu l'entendais dans la pièce... Enfin, tu peux l'entendre que dans une pièce. Tu vois? Donc c'est plus intéressant de fermer la porte parce que sinon tu sais pas exactement dans quelle pièce c'est. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, genre, je l'entends là par exemple, je sais qu'il est pas dans une pièce à côté, je sais qu'il est dans la même pièce que moi, donc je me barre. Tu comprends? C'est pour ça que traverser les portes c'est assez compliqué. Tu restes plutôt comme un gland. C'est pour ça que le placard c'était pas mal. Ouais, tu vois, là je sais qu'il est là, avec moi. Ah, oh, il est tellement près de mes boules, là. C'est vraiment... dégueulasse. Voilà. Comme ça, je sais exactement à quoi m'attendre. Moi, je restais là dans le sas en croyant que ça allait me protéger, mais en fait, c'est plutôt dangereux. Le quatrième, il va forcément ouvrir les portes ou un truc comme ça. Si on a un quatrième, ce sera sûrement Emily. C'est tellement calme, j'aime pas ça. Bobby, tiens-moi compagnie, Bobby. Hic, je crois qu'il veut ton cul. Chorizo Kardashian veut ton cul, trop vite. Pour l'instant, ça va. Oh merde. À la foutre. Tu vois, la stratégie, c'est ça. T'entends Pépé rigoler comme un pervers, et tu te barres dans l'autre pièce. Aussi simple que ça. J'ai enfin repéré comment faire, compris. Eh ouais, Pépé, pas de pepperoni pour toi non plus, hein. Par contre, on se fait assez chier quand il se passe rien, du coup. Ce que je fais, c'est presque de l'anti-jeu. C'est-à-dire que j'exploite le jeu dans sa conception. Je pouvais pas faire ça dans Final Fantasy Freddy, je pouvais pas bouger. Donc là, je me vengeais un petit peu, Ouais, c'est genre... Non. C'est quand Kiki, elle va arriver que ça va être dégueulasse, parce qu'elle est un sourd. Les lumières. Celui qui me fait moins peur, c'est le clown. Il est juste casse-couille parce que... What? J'ai même pas touché. J'ai juste levé la main de ma souris. C'est ça, un millimètre de poil de pite, de poil de cul de clown, ça a fait déclencher le jumpscare, d'accord. En fait, il faut vraiment que t'aies la main comme ça, genre, je jure, devant l'association des pizzaiolos que j'ai pas mis de poil pubien dans votre pizza. Puis c'est con parce que t'as pas d'histoire ajoutée, en fait. Tu passes les heures, mais les choses ne changent pas, les dessins et les enregistrements vocaux non plus, donc t'apprends rien, en fait. Ce serait moi, je mangerais la pizza, en fait. Vu que tu peux pas sortir. C'est ce que tu ferais, non? Tu manges la pizza. Au moins, il disparaît d'un coup, c'est déjà ça. Parce que s'il restait derrière la porte, ce serait vraiment chiant. T'ouvres la porte, il te saute dessus, tu sais. Un mauvais timing, ça doit pouvoir arriver, un truc comme ça, je suis sûr. Au moins, il y a des indices sonores qui t'aident pas mal, c'est déjà... Une fois que t'as compris ça, c'est plus tellement putassier, c'est juste putachiant. On est en mode facile, là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a?
Ouais, je bouge pas. En fait, si je bouge pas non plus des masses, c'est parce que je sais que pour les prochaines nuits, ça va faire... Si je bouge pas des masses aussi... Oh putain, il était juste sous moi, notre jambe, quoi, le mec. Si je bouge pas des masses, c'est que je sais que les prochaines nuits, enfin les prochaines heures, là, que ce soit la quatrième ou, enfin, troisième ou cinquième, ou j'en sais rien. Je vais devoir bouger comme un connard, ça j'en suis persuadé. Ah, oh. Oh, ça c'est fils de pute. C'est carrément fils de pute. Il se barre. Ah, à la chaîne comme ça, c'est la soirée de Pépé ou la soirée de Chorizo? Honnêtement. Ah, t'as vu, presque deux en même temps là, les salauds. Eh, hey, il est énervé, Chorizo, là, putain. Je sais pas, va bourrer le canapé, fais quelque chose. Putain, elles sont tellement longues, les nuits. Si elles pouvaient durer moitié moins, ce serait pas mal, en fait. Enfin, les nuits. Ah, good, on en a fini avec ça. Voilà, Trophidal. On va s'arrêter là pour cette partie. J'ai besoin de prendre des petites pauses comme ça pour que mon cœur il ne décède pas. Même si là, j'ai eu le temps de... Voilà. Je suis curieux de savoir ce sera quoi. Là, je pense que c'est avec les trois en même temps. De manière assez évidente. Et... Je ne sais pas ce sera quoi la dernière étape. On verra. J'ai envie de te dire. On verra. Je suis pas très rassuré. En tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager avec votre entourage, et si vous ne l'êtes pas encore, devenez un Trophidal. De ce jour, à la prochaine pour une autre vidéo d'Emily Wants to Play. Ce serait flippant un rire comme ça, non? De marionnette. Marionnette Trophy, ce serait la plus flippante. Ah, you.